Merci à vous d'être là pour suivre cette troisième édition du Trophée du Maître d'Hôtel. Cette édition, c'est pour moi mettre un éclairage sur notre profession. Comme je disais ce matin, on a toujours la lumière qui est braquée sur les chefs de cuisine. Et je trouve que c'est très important de montrer qu'un restaurant, c'est une seule et même équipe qui est au service du client. Et cette année, nous avons le plaisir d'ouvrir à l'Europe ce concours, puisque nous avons deux candidats belges qui sont parmi nous. Et on a divisé cet atelier en deux parties. On a ce qu'on appelle les battles. Et la deuxième partie, ça va être une partie un peu plus sérieuse, où le candidat va devoir répondre à des questions. Pour promouvoir la diversité des métiers et des savoir-faire de toute une industrie. Gwendal Poulnac. Bravo ! Juste ! On leur demandera le passage d'un de ces trois vins en carafe. Ce que j'attends d'un accord mets et vins, c'est de trouver une parfaite harmonie entre le mets et la boisson. Et puis, le meilleur accord, c'est quand les convives sont heureux. La difficulté du métier de sommelier, de trouver l'accord qui plaira au client. De manière artisanale, où c'est la main de l'homme qui évidemment étudie la structure du chou et qui positionne de manière la plus judicieuse possible pour avoir ce qu'on appelle le fil d'or, donc une choucroute en filament très très long et très fine. Donc les ongles chevaliers seront disposés dans des cadres en bois, donc c'est du pain des Vosges, et il y aura une cire à 75 degrés qui sera coulée sur les filets d'ongles. Effectivement, chaque candidat a choisi ses ingrédients parmi les 10 paniers et ils sont également les choix d'un ingrédient bonus et ils utilisent également un alcool du partenaire, Combier, la maison Combier, et également ils sont le choix des deux cafés biologiques. Bien évidemment le goût de la recette, ça c'est primordial, mais l'élégance du geste, la technique. Content d'avoir gagné ce trophée du maître d'hôtel, la troisième édition. Beaucoup de travail en amont, beaucoup de pression, mais finalement beaucoup de plaisir. Donc une très belle journée. Qu'est-ce que j'ai envie de dire à l'équipe qui organise? Un grand merci à tous, au jury, aux fondateurs du trophée. Merci à toute l'organisation, l'école, l'Institut Paul Bocuse. Merci aux autres candidats qui ont donné aussi une belle prestation. Je pense qu'on a tous payé du plaisir. Donc merci à tout le monde, merci à ma famille, à ma femme. Et voilà, merci beaucoup.